Yeah. Papuccino. Abbeame che mi va. L'idée de primer celui qui aura, le boulanger qui aura le plus incorporé le manioc dans le pain ne date pas d'aujourd'hui. La panification du manioc existe depuis, on en parle depuis une vingtaine d'années. Et dans mes réflexions, il m'est apparu qu'il faut faire quelque chose pour que cette panification-là, l'incorporation du manioc dans la fabrication du pain, devienne une réalité. Et je pense que la distribution de prix est quelque chose qui booste les initiatives. C'est ainsi que en 2018, j'ai lancé l'idée sur une plateforme et cette idée a été très appréciée. Mais le temps passant, il y a eu très peu de candidats, mais vraiment très peu de candidats. Et je pense même que les membres du groupe dans lequel nous travaillons ont vite oublié ce message. Et puis est apparu un jour un jeune homme sur notre plateforme qui parle de pain à base de manioc. Je l'ai immédiatement appelé. Je lui ai demandé à me faire déguster. Donc il est venu me livrer quelques croissants et du pain. J'ai apprécié. Et comme le temps passait et que il n'y a pas d'autres manifestations de candidature, ben j'ai décidé d'autorité, puisque ce n'est pas un prix national. C'est de ma poche que je veux sortir 500 000 francs pour donner à quelqu'un. Donc je donne ça à qui je veux. J'ai proclamé les résultats d'autorité. J'ai désigné Daniel comme adjudicataire de ce prix. Que moi je suis planteur de manioc aussi. Ah, si on incorpore 50% de manioc dans le pain, ah ben c'est une grosse partie de mes productions qui vont être achetées. J'ai trouvé un débouché pour mon manioc. Ouais. Et pour ne pas lui vendre des maniocs bruts, Ouais. Je fais des cossettes. Je fais fabriquer des cossettes par les femmes du village. Mes productions de manioc sont transformées ici et puis je vais les vendre à Daniel. J'ai pu faire jusqu'à 10 hectares de manioc. Mais le résultat, c'est qu'au bout du compte, je n'y trouvais pas mon compte. Parce que le marché du manioc, tout le monde en faisait puis juste pour sa consommation. Vous revendez votre manioc, vous ne retrouvez même pas le prix de l'investissement. Et donc c'était ça. Par contre, j'ai trouvé que les cossettes avaient une plus-value. Le marché togolais existe, tant dans notre propre alimentation que vers l'exportation. C'est une consommation massive qui est devant nous. Et donc économiquement, tout le monde mange du pain tous les matins. Mais je ne sais pas combien ça coûte à l'État togolais d'importer du blé, qui n'est pas notre culture. Et on le consomme depuis 60 ans. En divisant le stock de blé importé par deux, on aura fait au moins l'économie budgétaire annuel de 50%. Ouais. Voilà.
Je veux d'abord, comme Daniel, inviter les boulangers du Togo à produire du pain à base de manioc. Il n'a qu'à, il faut faire la publicité de Daniel, qu'on vienne à l'école de Daniel et que les pouvoirs publics reconnaissent Daniel, quitte à lui donner une décoration. Ça, c'est le message fort que je veux transmettre au pouvoir public et dire aux populations, dès lors que le manioc sera encore plus consommé, de s'apprêter, de s'armer pour se lancer dans la culture du manioc. C'est des grandes opportunités qui se présentent devant nous.